Oui, poussez s'il vous plaît. Doucement, doucement. Doucement. Poussez doucement s'il vous plaît. Oui. Avec les 100 millions, merci beaucoup. Je serai là dans 20 minutes. Merci. Monsieur. Monsieur. Yo. Vous me connaissez? Hein? Enlevez-moi ces casseries de là, là. C'est qui ça, là? Mais vous, vous voyez que c'est une voiture en panne. Même si c'est en panne. Vous avez remarqué que c'est une voiture. Tu n'as pas de garage. C'est une voiture en panne. Est-ce que vous avez remarqué que c'est une voiture en panne? C'est une voiture qu'on pousse, là. Vous avez fait la remarque, non? Ah. Vous mettez à faire du bruit sur les gens comme si on était vos enfants. Non. Ces gens-là, hein. Eh, non, mais du respect pour vous-même. Vous êtes mécanicien. Je suis mécanicien. Et tu me parles français comme ça? Tu me connais? Et alors? Je te gifle maintenant. Si tu ne sais pas, je te gifle. Vous ne pouvez pas me gifler. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas mon gars ici. Allez-moi ça. Il me compte dessus. Tu veux me frapper? Il se passe quoi? Toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'elle va te gifler aussi maintenant? Là, retourne-moi du bas. Calmez-vous. Alors, nous retournons. C'est avec moi que vous parlez comme ça. Nous n'accueillons de nous me dire à moi. C'est quoi ça? Enlevez-moi ça. Mais Dieu encore. Avec ce nouveau président, vous allez voir. Avec ce nouveau président, vous allez voir. On va tout changer. C'est quoi encore ça? Mais là, vous avez les moyens de changer cette voiture, non? Pourquoi vous y tenez autant? Cette voiture a déjà 30 ans. Oui, mais je sais, ça a une valeur sentimentale. C'était la voiture de mon père, je ne peux pas m'en débarrasser. Oui, je suis presque là, dans 20 minutes. Oh. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre ça, je ne veux pas perdre les 100 millions, s'il vous plaît. C'est quoi en gros ça là? Quel ami? Le monsieur là, c'est un phénomène. Oui, je viens dans 10 minutes au plus. Oui, je suis avec mon vrai mécanicien. Le mécanicien, il est très vrai. Chef. Quel client? Oui. Le client, qui? Mécanicien. Oui. C'est moi. Ok. Toi aussi, là. Tout à l'heure, tu vois que j'étais insulté. Je n'étais pas insulté. C'est toujours le règlement intérieur. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Non, j'ai un peu de panne. Panne avec quoi? Non, c'est mon véhicule. Le véhicule pour lequel vous m'avez insulté tout à l'heure, là. Non, je ne vous ai pas insulté. Pour lequel vous avez fait preuve d'un irrespect notoire. Non. D'une insolence remarquable. C'était pas vous. Hein? C'était le véhicule pour lequel vous avez eu un comportement ignoble, ahurissant, énervant, agaçant, irritant. Vous pouvez emprunter tout le mot. Ça me va. Ça me va au cœur. Vous avez compris. J'ai un projet de 100 millions. Hein? Avec mon directeur. Hein? Si je rate, c'est fini. Je suis un homme mort. Si on répare votre voiture, vous donnez 1 million. 1 million? Au mécano. Qu'est-ce qu'il va faire dans la voiture? Qu'est-ce que je vais faire dans la voiture pour 1 million, c'est ça? Donc vous pouvez réparer ça vous-même? Non, non, en fait. Ah, ok, d'accord. Vous pouvez monsieur, réparer. Quelle avance? Mais, monsieur, est-ce que je vous donne 800 000? Ladi, 800 000. Hein? C'est en espèce, hein? Il n'y a pas aller retour, hein. C'est en espèce. Oui, que de bien. C'est pas là, il fallait prendre aussi. Prenez tout. Ah, ça veut pas. C'est euro, hein. Vas-y, il faut compter ça. Oui. On y va. Ah, non, vous avez le sang trop chaud. Non, c'était pas... Non. Ce n'est pas bon. On m'a envoûté. C'est comme ça fait. Il faut arrêter de faire le bruit comme ça. Non, famille, tu mets un bon midi. Non, c'est pas bon. Man, je suis non soumis. Je ne cite pas. Le bruit n'est pas une méthode objective de recherche de solutions pérennes dans le cadre de résolution d'une discorde. Oui. Il faut avoir le sang chaud là.
Laissez le Moïse travailler pour moi. Oui, je vais y aller. Ça va? Voilà. Ah! Ça va? Oui, c'est bon! Bien comme ça! Oui, allô? Quoi? Quoi virer? J'ai plus de fil, il y a beaucoup de magasins, m'a viré. Oh! Oh! Monsieur, pardonnez. Oh! Vous avez mis. À quoi est-ce? 100 millions! 100 millions! Est-ce que ça va? Hein? Votre voiture est réparée, non, mais. C'est quoi le problème? Non, j'ai perdu le dossier de 100 millions que j'avais là. Parce que tu es en retard, c'est ça? Oui, j'ai en retard. Tu vois l'humilité? Ça précède la gloire. Quand tu es venu tout à l'heure, oui, et que tu as vu des gens en train de pousser une voiture, oui, ça te barrait la route. Tu avais juste à patienter dans ta voiture, pas à sortir crier sur les gens. Si tu n'avais pas coupé ton moteur, peut-être que ta voiture ne serait pas tombée en panne. Il faut parler avec aux gens avec plus de respect, plus d'humilité désormais. Les 800 000 que tu as payé Mécano tout à l'heure, tiens. Il ne peut pas tiens. Il ne peut pas tiens. C'est mon agent. C'est moi, non? T'as pas confiance? L'a dit. T'inquiète pas, tiens, tu vas en avoir besoin. Ah, merci, monsieur Aladji. Qui t'appelait? Tu peux me gifler même. Je veux parler. Qui t'appelait tout à l'heure? C'est mon directeur. Il s'appelle comment? Il s'appelle monsieur Aladji. Monsieur Aladji? Oui. Comme moi? Souberou là. Oui. Aladji Souberou. Oui. Attends, vous le connaissez, non? The One is Bet. Oui. Il utilise mon code promo Aladji. Oui. Pour avoir 200 ans de bonus. Rappelle-le. Rappelle-le! Il va me citer au téléphone! Rappelle-le! Il te dit de rappeler, il faut rappeler! Tu connais mon boss là, il est trop fort! Oui, elle a dit! Oui, il y a quelqu'un qui. Elle a dit, souvenez-vous, comment allez-vous? C'est El Hadji Camilo Loco. Oui, j'ai appris que tu avais viré un de tes amis là, un de tes employés. Sache que c'est un ami. Et tu ne peux pas te permettre de le virer. Parce que je suis le patron du patron de ton patron. Ou bien? Et le contrat tient. Ok? Voilà. Je te le repasse. Hein? Donc mon Jésus était à côté de moi. Oh, parle à ton patron. Elle a dit. Donc je peux reprendre. Oh, je peux marcher doucement. Quoi, mon assistant là? Oh, elle a dit. Je peux vous remercier. Hein? Viens, viens. Hein? Merci. Toi, je nous remercie. Hein? Elle a dit. Merci. Dis au pilote de préparer le jet, ça ira plus vite. Ah, vous êtes dans le jet aussi? La dit camion loco. Ça vient tout seul, n'est-ce pas? Ça vient tout seul. Les 800 000. Ah! Les 800 000. La dit camion loco. Camion loco. Jacob est ça et loco. Toujours prêt dans son game. Il porte le number 10. Avec lui, pas d'ennui. De midi à minuit. Entouré d'un délai. Laisse les billets, fatigué, le papa joue.